Dans ce stage, évidemment, parce que je suis, comme tout le monde ici dans le stage, Alexis, sur YouTube, et que il y a un an, il a lancé un truc, là, les ateliers privés, et j'avais eu la chance de pouvoir être acteur, entre guillemets, d'un de ces ateliers-là. Et ouais, j'avais présenté un arbre à Mélèze, et... Le fameux Mélèze que j'ai travaillé donc sur cet atelier. Et donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que je me suis inscrit, parce que je m'étais dit, tiens, dans la continuité finalement de ces ateliers-là, j'amène un arbre et puis je vais le faire évoluer avec Alexis, qui est aussi dans le projet de cet arbre. Donc c'est un long chemin, mais effectivement, en tout cas, on avance sur ce projet-là. J'ai envie de dire ensemble, et évidemment il y a Alexis aussi dans cette histoire-là, quoi. Alors pour ce week-end, j'ai amené deux arbres, enfin deux genévriers Itoigawa et un chochubai. Oui, j'ai attendu le stage pour pouvoir les travailler. Avant, je les avais juste mis en culture. Alors j'ai fait ma première ligature, donc oui, j'ai beaucoup appris. C'est vraiment le stage des premières fois, et c'est surtout que la ligature, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais, parce que je vois vraiment qu'il faut utiliser la force. Et donc... Et je ne sais pas encore à quel point, je pense qu'au fur et à mesure, ça ira mieux pour savoir justement pas casser la branche non plus. J'ai beaucoup de mal à ligaturer. J'ai beaucoup de mal aussi à décider ce qu'il faut couper. C'est des choix cornéliens. C'est des choix très, très, très difficiles. Parce que il faut imaginer, lorsque la branche sera coupée, comment sera l'arbre. Enfin, j'ai amené aussi un prunus malèbe qui était complètement disproportionné. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup coupé et j'ai changé l'orientation. Oui, j'ai appris pas mal de choses en fait sur la sélection des branches avec Alexis. On a vu lesquelles branches fallait couper. Il m'a aussi appris, une fois que tu as coupé la branche, te projeter sur ce qui va repousser derrière et tout en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça. C'est que je doutais en fait sur est-ce que je devais couper, pas couper, parce que se projeter, c'est pas évident en fait. C'est ça je pense que c'est ça le plus compliqué quand tu construis ton arbre, que c'est la projection sur le projet que tu veux faire en fait. Alors dans ce stage, justement, Alexis m'a surtout guidé sur la ligature. Je connaissais déjà, parce qu'on avait fait quelques-unes quand même, mais c'est vrai qu'il m'a donné deux, trois petites astuces pour pouvoir mieux ligaturer, pour pouvoir éviter de croiser les fils et tout ça. Donc voilà, ça déjà, c'est très bien. Et justement, ça permet de perfectionner, quoi. Parce que quand tu le fais chez toi tout seul, t'es pas forcément guidé, et donc du coup, tu sais pas trop si tu fais une bêtise ou pas, tu vois. Alors, pendant ce stage, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Oui, effectivement, déjà sur la ligature, parce que c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de le faire avec mes plants, puisque moi, je pars de plantes beaucoup plus jeunes, et donc il me faudra un peu plus de temps avant de travailler dessus. Mais ouais, j'ai appris les ligatures, j'ai pu apprendre aussi un petit peu, voir comment les autres bonsaïkas faisaient leur terre. Donc ça, c'est intéressant, les mélanges par rapport aux régions dans lesquelles on se trouve, il faut y penser. Et puis après aussi, j'ai pu aussi échanger beaucoup avec les autres stagiaires. Une communication qui est très ouverte à tous les stades, donc c'est très très riche en enseignement. Thank you.
atelier qui dure 2 jours, bon, ça permet de réfléchir, ça permet d'échanger plus largement aussi, parce que finalement, dans les ateliers, on est souvent très nombreux, plus d'une dizaine de personnes, alors que là, le fait de limiter à 10 personnes, je pense que c'est efficace, quoi, voilà. J'avais vraiment besoin d'apprendre, et d'apprendre surtout la pratique, parce que après, lire des livres, c'est super intéressant, mais il manque l'aspect pratique. Éventuellement aussi corriger certains gestes et savoir avant même de passer à la ligature, on a un arbre qui est très touffu, qu'est-ce qu'on fait Et non, franchement, un stage très très agréable, super bonne ambiance, d'autres personnes sont venues, on a tous discuté bien ensemble, chacun a présenté ses petits arbres et tout, non, c'était un très très bon week-end. Les ateliers vidéo, c'est sympa. On comprend des choses, mais on pratique pas. Parce que les vidéos, on va dire, c'est plus généraliste, ils touchent un peu tout le monde. Et les stages, ça permet, où ils viennent nous voir, nous, individuellement, ils nous expliquent des choses par rapport à l'arbre qu'on a amené. C'est beaucoup plus individuel et je trouve ça bien aussi, quoi. C'est complémentaire, mais on est dans la pratique. C'est-à-dire que les vidéos... Enfin, c'est évidemment un outil, un support pour apprendre la théorie. Donc ça, c'est super. Et on apprend très vite et plus vite, je pense, qu'au travers d'un bouquin. Parce qu'effectivement, la vidéo est un outil magnifique pour l'apprentissage. Mais ce n'est que de la théorie. Et donc, passer à l'acte, ça n'a, voilà, il faut ça. Donc, moi, je pense que la vidéo, on apprend plus vite. On élargit aussi son domaine de théorique de compétences, mais on ne sait pas faire. Les stages, c'est très bien parce qu'on voit les espèces, on voit les techniques, on voit tout ce qu'on peut faire sur certains types d'arbres de sort. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas pratiquer pendant qu'on est en train de faire quand on voit la vidéo. Et du coup, là, la complémentarité du stage, c'est que tu peux voir et tu peux traiter, tu peux faire directement. En plus, c'est ton arbre à toi, donc tu sais exactement ce que toi tu veux faire et on t'amène à faire ce que tu veux, quoi. C'est dans la continuité, même si ça fait émerger un petit groupe plutôt, et ce qui est plutôt sympathique pour moi, puisque un petit groupe où tout le monde se connaît, c'est toujours plus intéressant qu'un grand groupe avec beaucoup d'inconnus. Le bonsaï, c'est la réalité, c'est un arbre qui vit, il y a un côté manuel à un moment donné, et on n'est plus dans l'intellectuel qu'apporte la vidéo ou les réflexions ou le projet.